Bonjour à tous, ici Ange Rouge, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un speed build d'une toute petite création, hein. Ça va être quand même plutôt rapide je pense. C'est une petite création d'une maison en ruine. En fait, il y a même carrément longtemps, parce que c'était au début, complètement au début des Sims 4, pratiquement, j'avais créé un petit parc qui s'appelle Ruins Park, que j'avais créé, il me semble, lorsque Destination Nature était sorti. Et j'avais créé ce petit parc avec une maison en ruine à l'intérieur, où les Sims pouvaient venir camper, etc. Ce petit parc, je vous l'ai présenté, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, en visite sur mon site. Sur YouTube plutôt, n'importe quoi. C'est une création qui se trouve sur mon site donc depuis quasiment le début du jeu des Sims 4. Et donc suite à cette visite, j'avais envie du coup de créer une petite maison en ruine avec les moyens du bord, enfin avec ce qu'on a aujourd'hui, avec les packs qu'on a aujourd'hui, les kits, etc. avec tout ce qu'on possède. Parce qu'à l'époque on était vraiment limité, on avait que Destination Nature et le jeu de base. Et voilà, donc j'avais envie de créer une maison en ruine avec tout ce qu'on a actuellement. Alors aussi pour tout vous dire, cette petite création je l'ai faite aussi pour mon let's play, l'histoire de Julia. Donc je ne sais pas, peut-être que vous suivez l'histoire. Si vous suivez l'histoire, dans ces cas-là vous avez déjà vu cette création-là, puisque je vous l'ai présentée dans un épisode. Et voilà. Et donc là, maintenant, je vous présente le speed build, voilà, pour vous montrer comment je l'ai réalisé, etc. Et franchement, je me suis régalée à le faire. C'est vraiment ce genre de construction, c'est vraiment le genre de construction vraiment que j'adore faire. C'est vraiment bizarre d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a qui adorent créer des maisons modernes, des maisons vraiment magnifiques, etc. Et moi j'adore créer des ruines, j'adore créer des jardins en friche, où il y a un peu de foutoir de partout, enfin voilà, c'est ce genre de construction avec lesquelles je me régale. Et voilà, donc alors cette petite construction, alors il y a juste une petite partie qui est habitable là, que vous voyez, hein, c'est la petite partie qui est construite. Et la partie devant, alors dans ma tête, je me suis dit que c'était une grande maison à la base, avec une terrasse intérieure et pas mal de murs, et que tout s'est éboulé, il y a eu une catastrophe ou je sais pas. Le temps a fait que les murs se sont écroulés. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu des ruines de partout, et puis voilà quoi. Donc votre sim quand même peut vraiment tout faire à l'intérieur de cette maison. D'ailleurs pour ceux qui suivent l'histoire de Julia, j'ai un sim à l'intérieur de cette maison là, que j'ai créé aussi exprès pour cette maison, qui s'appelle Michael Dehors. Oui, j'avoue, j'ai vraiment recherché le nom de famille. Voilà, donc Michael dehors, et Michael, il vit dans cette maison en ruine. C'est un sim qui est ermite, il est super débrouillard, voilà, et très manuel, et j'avais envie de créer ce sim-là pour cette maison et pour mon let's play l'histoire de Julia. Et voilà, donc alors dans cette maison, qu'est-ce que vous pouvez faire? En fait, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Vous pouvez pêcher. Parce que vous allez le voir par la suite, je vais créer... Alors au début ça m'est pas venu à l'idée, mais par la suite, vers la fin, je me suis dit tiens, pourquoi pas, voilà, je vais faire une petite mare. Et finalement j'ai mis des poissons à l'intérieur. Enfin, c'est une mare faite à partir d'une piscine. Donc votre sim peut aussi se baigner dedans s'il le veut. Donc ça c'est quand même pas mal. Voilà, donc votre sim il peut se baigner, il peut pêcher. Il peut donc j'ai mis, alors attendez, je suis en train de réfléchir, j'ai mis un lit ou une tente? Non, j'ai mis une tente il me semble à l'intérieur. Oui, c'est mon truc ça, hein. Je mets des tentes à l'intérieur des ruines, comme j'ai fait pour mon histoire de Julia, c'est pareil. Je sais pas, j'aime bien, je me dis que s'il y a un squat, bah, les gens ils mettent quand même une tente à l'intérieur, même si s'il y a un toit, on sait jamais, le toit il peut être en mauvais état. Bon, évidemment dans les Sims là, les toits ils sont jamais en mauvais état, puisque on peut pas créer de toit en mauvais état, mais voilà, je me dis que peut-être le toit est pas en super état, donc il vaut mieux quand même avoir une petite tente pour dormir à l'abri. Et donc à l'intérieur j'ai mis une tente, j'ai mis une baignoire, tout court d'ailleurs, que vous pouvez voir aussi à l'écran.
Voilà, j'ai mis le lit, la baignoire, et y a vraiment tout c'est vraiment tout confort en fait quand j'y pense. C'est une maison en ruine, mais elle est vraiment confortable, parce qu'il manque rien. C'était pas le but recherché de faire une espèce de création où il manque de tout et où votre sim est obligé d'aller ailleurs pour assouvir ses besoins primaires, j'ai envie de dire. Voilà, c'était pas du tout le but. Là, c'était vraiment pour créer une maison où votre sim peut vraiment tout faire à l'intérieur. Voilà, il y a la tente. Ah bah finalement, voilà, oui, j'ai mis une tente. Il y a un frigo. Alors dans ma tête, c'est un vieux frigo qui est allé chiner aux puces. Il y a un banc. Il y a un établi pour créer des compositions florales. Parce que je me dis que ce sim, enfin le sim qui vit ici, il est très débrouillard. Et puis voilà, il gagne sa vie un petit peu comme ça, en créant des choses. Voilà, ensuite j'ai mis un échiquier à l'extérieur. Alors il n'y a pas de toilette, mais il y a le buisson, hein, pour que votre sim puisse faire ses besoins aussi. Et j'ai mis un feu de camp. Alors voilà, ce que je faisais aussi souvent, c'est que le sim qui vit à l'intérieur, il allait pêcher son poisson, et ensuite, avec le petit feu de camp, là, il allumait son petit feu, et puis il allait se faire griller ses poissons qu'il venait juste de pêcher. Voilà, donc j'ai joué quasi 2-3 heures avec ce sim-là, et je me suis bien régalée. Hein. Ouais, c'était surtout pour tester la maison. Voilà, la petite déco que vous voyez sur les barrières, c'est pas du tout d'origine, hein, c'est le jeu qui l'a mis parce que c'était une fête de je sais plus trop quoi, donc ça n'y sera pas dans votre jeu. Perso, je préfère sans déco de toute manière, donc c'est très bien. Voilà, là je suis en train de créer la petite mare. Alors j'ai mis une eau d'une couleur assez dégueu, hein, assez verdâtre. Vous verrez par la suite. J'ai mis donc les poissons aussi, des nénuphars, et puis j'ai mis pas mal de verdure tout autour pour que ça fasse assez naturel, une petite mare naturelle. J'allais dire une piscine naturelle, mais oui, ça peut être une piscine aussi, hein, puisque votre sim peut se baigner aussi à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc cette création, si vous voulez, elle est sur mon site internet. Enfin, au moment où je poste cette vidéo, elle y sera. Je vous mets dans la barre d'infos toutes les infos relatives à cette création. Donc vous aurez l'adresse pour vous rendre sur mon site pour pouvoir télécharger cette création. Sur mon site, je vais mettre aussi pas mal de photos. Donc vous verrez cette petite création plusieurs photos en jeu. Et voilà, donc le lien pour télécharger. Si vous ne voulez pas passer par là, vous pouvez passer directement dans la galerie. Mon ID origine, c'est Ange Rouge 24. Voilà, donc je le répète tout le temps, mais bon, voilà. On sait jamais pour les personnes qui me demandent. Il y a toujours des personnes qui me demandent, donc voilà, pour celles qui me suivent, c'est vrai que du coup je répète beaucoup, mais c'est surtout pour celles qui arrivent. Et voilà, donc mon ID c'est Ange Rouge 24 dans la galerie, vous pouvez la télécharger. Il n'y a aucun CC, je n'ai jamais de CC dans mes créations. On m'a souvent demandé pourquoi d'ailleurs. Eh bien c'est tout simple, hein, c'est parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des bugs. Et j'ai pas envie à chaque fois de chercher des mises à jour pour des mods, pour des CC, etc. Donc voilà, j'ai décidé de pas en mettre. Et puis moi j'aime beaucoup ces graphismes de... qui sont d'origine, donc voilà, je préfère carrément ces graphismes là que les graphismes des CC, même si franchement j'admire beaucoup les gens qui font ça. Ils ont beaucoup de mérite et je trouve ça vraiment vraiment super pour les gens qui adorent quoi. ma vidéo elle va être bientôt terminée, je vous avais dit, c'est vraiment très rapide. Là j'ai fait une petite cour intérieure aussi avec une fontaine, j'ai trouvé ça super sympa, et puis un petit carré potager, etc. Je pense que là, on a bientôt fait le tour. Je suis en train de faire une petite déco de partout pour la peinture de terrain, pour que ça se fonde bien avec le reste. Voilà, ben c'est terminé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !